les deux routes. Deux routes vers le bien mènent d'un pas égal. L'amour du bien lui-même et la haine du mal. Et chaque homme, selon que son penchant l'entraîne, suit vers le but commun ou l'amour ou la haine. La haine est d'un cœur fier et d'un sens affirmé, que le péril excite et pousse à l'ennemi. L'amour, d'un cœur pensif, intelligent et tendre, qui, plaignant les pervers, voudrait s'en faire entendre. Amour, haine, laquelle de ce double sentier choisir? Tous deux sont sûrs. J'ai suivi le premier. Si le mal devant moi passe comme invisible, je ne suis point aveugle et surtout insensible. Plus d'une fois mon œil s'ouvrit épouvanté, et mon cœur s'est des coups qui l'ont ensanglanté. Mais pourquoi ramener la chose inexplicable? L'homme doit mépriser le fardeau qui l'accable. Chaque jour dans la route il marche en s'allégeant, jusqu'à l'heure où, plus tendre et plus intelligent, meilleur, il rentrera dans ce monde harmonique que chante incessamment mon âme synthétique. Il vit pourtant, il vit, celui qui doit mourir. Plus fort, on le dirait, plus il nous voit souffrir. Et bien des malheureux, sans puissance en eux-mêmes, sous ces hideuses mains se renverse tout blême. C'est de lutter aussi, comme les premiers saints qui soumettaient le diable à leur pieux dessein et le menaient en laisse. Un signe sur la tête, c'est en invoquant Dieu de combattre la bête, en lui criant « Obstacle, ou tu t'abaisseras. » Pour produire le bien, mal, tu m'obéiras.